Trove, j'espère que je me suis pas trompé cette fois-ci, que j'ai bien mis sur Trove. Je viens d'y penser, on va voir ça très 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 rapidement. Donc ça y est, la bienvenue, n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à poser des questions ou même encore follow, ça fait toujours plaisir. Non, c'est bon, je suis bien sur Trove. Donc voilà, je mets le retour et on est parti. Donc soyez la bienvenue, installez-vous. Allez, on change de scène, tout est bon, on y va. Donc comme c'est marqué dans le titre, on va les farmer progressivement, tranquillement. Salut Skye, salut tu dates. Bon, je date pas de si longtemps que ça non plus, il faut pas exagérer. Allez, on change de scène et on y va. En tout cas, Skye, j'espère ce que tu veux. Ça va, merci, merci, je viens de me lever il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais prévu de le streamer à la base et je me suis dit bon, il est un peu tard, mais tant pis, j'y vais quand même. Coucou, ça fait plaisir de te voir. Salut Matori, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon mardi matin. Bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont heureux de me voir dès le matin, en plus, dès le matin, donc ça fait plaisir. Donc nous, où allons-nous? Bon, je sais pas pourquoi j'ai un petit peu de freeze le matin. Dites-moi si ça freeze. J'ai l'impression que ça freeze un peu, moi, mais bon. Peut-être que c'est la machine qui rouille un petit peu, vu que je stream plus, alors du coup, elle est plus habituée, voilà. Alors, je vais bien, merci. Je joue plus à Trove, donc je compense mes 200 heures perdues à te regarder ta live. Ah! 200 heures perdues. Quand tu joues à Trove, y a rien qui est perdu. Y a rien qui est perdu. C'est sûr qu'il faut le temps et tout ça pour monter dans le grade et tout ça, mais bon, y a rien de perdu. À partir du moment où t'as un minimum d'envouement et d'engouement à jouer. Je sais pas si le premier mot était juste, hein, mais on s'en fout, on lâche des mots comme ça, si ça existe pas, tant pis. À partir du moment où t'as de l'engouement à jouer, je veux dire, c'est pas perdu, quoi. Moi, c'est simple, j'ai une règle d'or, si le jeu me fait jouer plus d'une semaine, j'y mets de l'argent. Ah, je le trouve, il n'y a pas à échapper, hein, même si j'en mets plus maintenant parce que je veux plus. J'y ai mis facilement une centaine d'euros, il me semble, à l'époque. Hein. En même temps, c'est mon seul jeu. Donc l'argent que j'aurais pas mis dans d'autres jeux, je l'ai mis dans Trove, tout simplement. Après, c'est sûr que ça fait une petite somme tout accumulée. Mais c'est le jeu qui lag. Hein. Bah, je vous rassure, moi aussi je freeze. Là, je sais pas si ça freeze aussi chez vous. Mais c'est carrément le jeu qui freeze quand j'arrive sur devant un donjon, quelque chose et tout. Moi aussi j'ai arrêté de trop jouer à Trove. Bah, c'est bien dommage que vous ayez arrêté de jouer à Trove, étant donné qu'en plus de ça, il va y avoir une super mise à jour le 14 novembre prochain. Quand je dis vraiment superbe, c'est que ça va jouer vraiment du contenu et de la durée de vie quasiment, je vais pas dire illimitée, mais quasiment très grande au niveau des clubs. Puisqu'il y aura des quêtes de clubs. Donc c'est bien dommage. D'ailleurs, c'est. Cette mage là aurait dû avoir un trailer et avoir toute la pub nécessaire et non l'éclipse. L'éclipse pour moi ça a vraiment été vraiment une petite mise à jour, je vais pas dire merdique parce que ça a apporté quand même un petit peu de contenu au jeu, mais vraiment minimum par rapport à la mage qui nous attend. Vraiment, la mage qui nous attend, elle est énorme. Je veux dire, j'ai lu 3 à 4 fois la page et je crois que si je retourne encore sur la page, j'apprends encore une nouveauté, quoi. La mage, enfin la mage sans vraiment les correctifs, elle fait 2 pages déjà. Après, on peut en parler, hein, mais bon, là, je joue pas spécialement parce que hier j'étais faire des pumpkins, j'ai planté des citrouilles et pour planter.
Je me suis activé un patron passe, donc là j'essaye de le rentabiliser en Stellar. Alors que ça y est, maintenant on sait ce qu'on doit faire de nos Stellars, les amis. On sait déjà ce qu'on doit en faire, c'est les garder jusqu'au 14 novembre. Je risque de rejouer un de ces cartes, mais je sais pas trop d'actualité, non, aucun bug. Moi je reviendrai le 14 novembre sur 3. Ah bah ça serait cool, ça serait cool. Ah bon, tu vas arrêter de like là? Qu'est-ce qui se passe là? Ça m'a jamais fait ça. Ça frisote là dès que j'arrive à un endroit où. Je sais pas. On va essayer de rester dans le désert. En tout cas, soyez la bienvenue, les amis. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore follow, ça fait toujours plaisir. Il risque d'y avoir des Dreamer Code aujourd'hui d'ailleurs. Il me reste encore des Dreamer Code pour octobre, donc attends qu'à les faire tomber, si ça peut faire plaisir. Donc on verra ça dans quelques minutes. On est parti jusqu'à 12h30. Parce que normalement je devais commencer à 9h30. Je commençais à 10h30. Donc on est parti pour 2h. C'est un live hors saison évidemment. D'ailleurs, c'est pour vous dire, la mage est tellement importante que j'aurais pas cru. Il y a suffisamment de contenu pour lancer une nouvelle saison de ma part sur Trove. Donc dès le 15 novembre, je reviens tous les jours sur Trove. Vous avez les actus en dessous du stream là. Normalement, il y a une petite pop-up avec les dates quand est-ce que je stream. Donc aujourd'hui, normalement, il y a l'arrivée des quêtes Halloween. Donc du coup, je l'attends depuis un an parce que l'année dernière, c'est à cette période où j'ai quitté un peu le jeu. Donc c'est là où il me manque le plus de montures ou ce genre de choses. Donc du coup, ça va me permettre de récupérer un peu de mastery que je n'avais pas. Il y a tellement tellement de choses qui a été changées par rapport à cette version du jeu là. Tellement tellement tellement. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le live, ça, j'ai hâte de pouvoir y jouer vraiment. Après on peut aller sur le PTS hein, les amis, le PTS il est activé, on peut importer le compte du live sur le PTS avec une commande. Là j'ai juste à taper slash export account. Et ça va la mettre sur le PTS. Bon, je le fais pas parce que j'ai avancé un petit peu sur mon PTS, donc du coup ça écraserait ce que j'ai fait. Parce que j'ai voulu faire des tests et tout. Mais j'y joue le moins possible parce que bon. C'est trop tentant étant donné qu'il y a plein de choses, plein de choses à découvrir. Et c'est dommage de. Ah, qu'est-ce qui se passe? D'accord. D'accord, j'ai eu un freeze serveur. En tout cas, j'espère que la musique est pas trop forte et tout. J'ai mis un nouveau lecteur, donc du coup, dites-moi si la musique est trop forte. Me ferait un plaisir de baisser. Bon bah du coup, je me refais des clés Eclipse aussi. De toute façon, il y a des chances qu'on ait de nouveau à farmer donc DST encore une fois. Donc du coup, ça sera pas perdu. Après, ceux qui veulent savoir les gros changements pour la prochaine mage, n'hésitez pas à demander, hein. Profitez-en que je sois là pour me poser des questions justement sur cette mage. Je vous répondrai grossièrement, j'essaierai de pas trop de rentrer dans les détails pour que je vous laisse l'envie de découvrir par vous-même. Bon, il y a quand même un gros point négatif à cette mage, ça va être le leeching de club. Ça. Je le sens gros comme une maison, que ça va arriver, ça va tomber. Donc moi, dans tous les cas, je ne quitterai pas mon club, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est vraiment le gros point noir pour le moment.
Ça, je sais pas écrire. Il va même avoir un nouveau biome. Très très joli d'ailleurs. Que je risque de sécher. Je risque d'aller dans ce biome tout le temps parce que je le kiffe. De toute façon, j'ai mis le patron hier à 19h, donc j'ai jusqu'à ce soir 19h pour essayer de me faire le plus de flux possible, pour rentabiliser mon patron d'un jour. Après, il faut pas grand chose pour rentabiliser un patron d'un jour, hein. Tout dépend des crédits push après. D'ailleurs, il sera combien les crédits push? 64 unités et par pack 63. Donc c'est vraiment peu là. Hein. 63 000 pour des crédits push, ça commence vraiment bas. En même temps, là, c'est la semaine de Love Coach Chest, elle est pas du tout rentable. Je me referai peut-être le plein de crédits push avant la base, surtout. Parce que j'en ai utilisé pas mal. Je suis le cas 5K, j'étais à 10K de crédit, donc il va falloir que je refarme pour me remettre bien. Où serait le deuxième idea? Ça fait chier, c'est Cursed où ils sont où les mobs là? D'accord, il était derrière le mur. Normal. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je reviendrai, bonne chance pour toi, farm. Merci, Skyzy. Merci, SkyZZZZ. Passez une bonne journée, à bientôt. T'es encore là, ma touring? Oula, oula, je suis tombé dans la lave, ça brûle. Oh putain, ils sont en bas. Oh, il saoule ce donjon. En tout cas, soyez la bienvenue les amis, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore follow, ça fait toujours plaisir. D'ici une bonne vingtaine de minutes, je ferai un tirage de Dreamer Code pour ceux qui sont là, en espérant qu'il y ait minimum de personnes pour que je puisse au moins en faire un, sinon, bah tant pis, ça serait dommage. C'est pas ce que je voulais faire.
Salut à toi Eternal, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon mardi matin. Je vais dire lundi, mais non, c'était hier ça. Des fois, j'ai l'impression de pas avancer dans les jours, c'est chiant. Bon, sachant la nouvelle mage, là, c'est chiant quoi. J'ai l'impression que le temps ne place plus. Pourtant, il reste encore une vingtaine de jours, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Un peu moins maintenant, je pense. Mais la mage se fait ressentir, en tout cas pour ma part. Bah moi, ça va très bien, merci. Je suis un peu fatigué, mais sinon ça va. J'ai la pêche. Donc là, j'essaye de farmer un petit peu, j'essaye de rentabiliser un patron d'un jour. Donc, il faudrait que j'ai au moins une bonne cinquantaine de stellars là pour dire de rentabiliser. Que je ne casserai pas aujourd'hui d'ailleurs. Ce qu'il faudrait les casser après la mage. Hop, je viens de voir que la caméra était un peu trop haute. Désolé pour ce désagrément. Elle est un peu trop basse maintenant. Encore un peu, je montre ma bite. Ouh, le petit freeze méchant là. Y'a rien qui veut tomber ce matin, j'en ai eu un radiant mais pour le moment rien d'autre. Bon après ça fait que 20 minutes, quasiment, que j'ai commencé à stream. C'est quoi l'objet les plus rares que tu peux dropper? Les plus rares, dans quel sens? Les équipements ou autre chose que les équipements? Ou la totalité des objets, pour savoir quel est l'objet le plus rare du jeu, quoi. Les équipements, bah c'est Stella. C'est au-dessus de Radiant. Là, avec mon MF actuel, je peux facilement en avoir. Mais après, ça dépend de, comment dire, du seed, de loot. Là, tu vois, je viens d'avoir un Radiant. Mais en temps normal, je tombe facilement sur du Stellar sans trop de problèmes. Mais des fois, je peux rester, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure sans rien et d'un seul coup, on avoir une ribambelle qui tombe à la suite, quoi. Bah, il faut que je les garde, les Stellars, parce que après la mage, quand on va les casser, ça donnera des Stellars Soul qui permettront de faire des anneaux. Des nouveaux anneaux stellars, donc du coup pour ceux qui vendront les crafter, je les vendrai. Donc ce sera ma rente d'argent dès le début de la mage. J'en ai à peu près une centaine de. J'aurai une centaine de stellars sous la vendre. Je sais pas du tout quel prix ça va valoir en sortant. Je dirais un bon 30 000 je pense. Je parle bien sûr au début, après ça descendra peut-être, mais ça sera peut-être plus cher, ça sera peut-être moins cher, je sais pas. C'est pas moi qui fais les prix, c'est vraiment la. Ah, du coup, ça va être encore la haute communauté, hein, donc ceux qui ont beaucoup de Stellar qui feront le prix du Stellar Soul, quoi. Moi, je suivrai le mouvement dans un premier temps, et puis après, ça viendra descendre très rapidement. Ouais, car j'ai recommencé avant-hier, je suis 5800 de power rank. Bah ça va, t'es déjà 5000, donc tu peux déjà avoir ta classe gemme, c'est déjà cool. Mais si tu dois acheter du Stellar, achète-le maintenant, hein. Farm maintenant et achète-le maintenant, il est vraiment pas cher en ce moment. Il y a tellement de Magic Find sur le serveur que les gens
le vendent vraiment pas cher. Du coup, enfin du moins moi je le vends vraiment pas cher. Après, tout dépendra de ta classe, tout dépendra de ce que t'as besoin, je pourrais peut-être te conseiller à la limite, mais... Après j'ai pas mal de choses, mais il y a peut-être des items que j'ai pas. Niveau 20, comment on l'achète? Bah tu vas dans... Tu fais entrée, tu fais join trad. Join, plus loin trad. Et là tu regardes les annonces de gens qui vendent. Ou sinon bah tu me demandes et je te dis à peu près le prix que ça vaut. Et puis t'es beau bronzer, donc il faudrait que tu joues à l'épée. Après tu peux jouer à l'arc pendant les ST, surtout à la piñata, tu vois. Mais je suis sur le PTS, je crois. Ah! Ah, si t'as le nouveau menu des clubs et tout ça là, marron avec plein de trucs et tout, ouais, t'es sur le club. T'es sur le PTS, voilà. Oh, c'est ce que je raconte. Mais bon, après, ça sert à rien de jouer sur le PTS, hein, il va être fermé. Hein. Le PTS, il est là uniquement pour tester. Hein. Il sera certainement ouvert encore une semaine ou deux et puis ils le fermeront. Hein. Ça sert à rien de vraiment de jouer sur le PTF ça. Sur le PTF c'est plus compliqué d'avoir du Stellar en plus. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui joue vraiment sur le PTF, donc du coup. Ça serait con de farmer sur un PTF quoi. Mais le PTF c'est un serveur test. C'est pour ça qu'ils ont ajouté récemment, ils auraient dû le faire depuis bien longtemps d'ailleurs, l'exportation de comptes live sur le PTF. Bah... bah il est préférable quand même, non? Après profites-en avant la match, parce que là ça vaut vraiment pas cher, tu te fais du flux assez facilement, tu peux être full stellar très rapidement. Mais je comprends pas pourquoi tu as commencé le jeu en plus en n'ayant pas de personnage directement sur le PTS. Ça c'est vraiment dommage du coup. En sachant qu'en plus tu peux pas jouer tout le temps puisqu'au bout d'un moment le serveur va fermer. Donc tu peux jouer seulement quand ils ouvrent le serveur. Là il l'avait pas ouvert depuis un petit moment le PTS. Hein. Shadow 5 au calme. Est-ce que je ferai pas encore des Pumpkins pour tout à l'heure? Je me tâte. Que là il me reste une heure il me reste que, non 2 heures pour le faire là. Donc, il faut que je prenne une décision assez vite quoi. En plus étant donné que cet après-midi il risque d'avoir une maintenance serveur, pas une mise à jour, une maintenance dès 16h pendant 3 heures, donc on risque de se toucher les boules. Donc je mets toujours mon patron passe au moment où il faut pas moi. Putain, je te jure. Je sais pas, je crois pour rejoindre un ami. Ah d'accord, c'est un ami à toi qui a dit viens, on va sur le PTS, c'est cool, on peut tout avoir, machin, d'accord. Ah c'est sûr que là le jeu il est facile hein, si tu vois là-bas. Par exemple, un truc tout con, on a généré 4 à 5 milliards de thunes, si c'est pas plus. De flux là-bas rien qu'avec mon compte la fois dernière. Après c'est un PTS hein, donc ils vont pas nous punir pour ça puisque à la limite ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Et c'est pas plus mal
Au moins, on peut tester des trucs qu'on pouvait pas tester jusqu'à maintenant. Moi, j'y avais jamais joué au PTS, donc du coup, quand je voulais tester les nouvelles mages qui allaient arriver, bah, j'étais un petit peu coincé puisque j'avais pas tout ce que j'avais sur le live, et donc du coup, il y a des choses que je pouvais pas tester. D'ailleurs, en parlant de ça, ils ont fait un nouveau tutoriel. Il est pas mal, je trouve. J'ai l'œil qui pique. J'ai les yeux qui piquent. Trop de PC! Bouh! Bon, s'il y a suffisamment de personnes, les amis, on pourrait peut-être commencer à lancer un Dreamer Code. Donc, faites du bruit pour savoir qui est là. Il faut au minimum 2 personnes pour pouvoir y participer au Dreamer Code. Au giveaway, pardon. D'accord, le coffre est pas là. Désolé, je regardais un truc vite fait sur internet. Mais quand j'y pense, il est bête ton ami de t'avoir proposé d'aller directement sur le PTS parce que. En plus d'être sur le PTS, t'es qu'à 5K, tu vois, t'imagines quoi. Je sais pas si t'as joué longtemps, mais on est à être à 5K sur le PTS, en jouant normalement sur le PTS en plus. Ça doit être relou quoi. Ok, Eternal là. Ok, il faudrait juste quelqu'un d'autre pour qu'on puisse au moins faire un 50-50. Ah, mais un petit Stellar, tu vois. Salut Chicken, salut. J'espère que tu vas bien, tu passes un bon mardi matin. On va au nord, on va aller dans le. Encore une fois, dans le. Désert. Moi je vais très bien, je vais très bien, je suis juste un petit peu endormi, un petit peu vaseux parce que j'ai des horaires chelous en ce moment, j'ai fait des excès au niveau horaire et un peu de l'insomnie aussi, un petit peu. Donc du coup, je suis tout mou, mais je stream quand même. D'ailleurs, je devrais reprendre bientôt une activité permanente sur Trove en stream à partir du 15 novembre. C'est marqué en dessous du stream comme d'habitude. Donc, soyez là le 14 déjà pour le premier stream et dès le 15, le début de la saison 3, ma saison 3 sur Trove. On verra combien de temps elle va durer celle-là. Putain, mais elle est où? C'est eux là? Non, c'est pas eux. Il est là! T'étais où? En tout cas, soyez la bienvenue, les amis. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore follow, ça fait toujours plaisir! Ça frise un peu moins quand même.
Ça frisait bien tout à l'heure quand même. Hein. C'est pas grave, je rattrape vite fait. Ouais, bon, les 5000 de PR, tu peux les avoir assez rapidement quand même, mais bon. Faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui t'aide, quoi, sur certaines choses, sinon tu risques de te perdre très vite. En fait, Trove, si t'as pas vraiment de, on va dire, de mentor ou quoi que ce soit, tu peux vite te perdre. Très vite faire des bêtises, par exemple. Très vite, par exemple, monter ton shadow toi-même. Très vite monter ton shadow en radiant. Monter ton radiant stellar. Ça, c'est une très 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 grosse bêtise. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Faut acheter directement. Surtout en ce moment, ça coûte pas très cher. Alors, du coup, faut en profiter. Après damage, ça risque de remonter un petit peu. Je dis pas excessivement non plus, mais je pense que ça va remonter un petit peu. Merde, je suis rentré où? Je suis perdu! Donc s'il y a suffisamment de monde les amis, on peut faire un tirage au sort de Dreamer Code pour ceux qui veulent. Donc faites-moi juste un signe, je sais qu'il y a Eternal. Qui a d'autres qui aimeraient participer pour gagner un Dreamer Code ce matin? Encore quelque chose dans le chaudron là? Je l'ai pas fait ce chaudron? Mais j'aurais cru, tu vois. Mais il y en avait deux sur moi. Bon, on va lancer ça, les amis, puisqu'il me reste encore quelques codes pour le mois d'octobre et qu'il faut rentrer très, 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 très rapidement. Je finis ce donjon et on lance le système de giveaway. Je vous laisserai 10 minutes pour participer. De toute façon, on est parti jusqu'à 12h30, les amis. On a commencé à 10h30. Adrigrid, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et que tu passes un bon mardi matin. Je crois que je les ai tous fait, là, les... On a assez de ça ou pas? On essaye. Oui! Bon. Ah bah ça va, il est pas loin. J'allais dire, on va descendre, voir où on va aller chercher l'autre, mais elle est juste devant la porte. Bon, au moins ça c'est fait. J'aurais pu prendre le portail jaune, ce que je suis en train de faire c'est vraiment con. Donc du coup, on va lancer le Nightbot pour faire le giveaway. J'autorise Nightbot à aller sur le compte, évidemment. Sinon, ça va pas fonctionner. Giveaway, et faut marquer une commande dans le chat. La commande sera point d'exclamation Dream. Voilà, c'est parti, vous avez 10 minutes pour participer. Je fais le tirage à 15 pour être exact. Point d'exclamation Dream dans le chat pour pouvoir participer. Calmer toi. Voilà, on le calme direct le truc. Direct moi je dis. Allez c'est l'heure, ils veulent pas tomber aujourd'hui. Hier soir ils sont tombés en masse, mais là. Pas moyen. Bon bah les stellars c'est pas très grave mais on a plein de shadow 5, plein de shadow 4 aussi. Si on les laisse ça fait quand même des flux. C'est le principal.
Heureusement que j'ai réussi à faire de la place dans un de tes coffres et j'ai réussi à me vider un petit peu sur moi, comme ça je peux rester plus longtemps enfermé parce que j'avais vraiment plus de place sur moi pour mettre les items. J'avais plus que 23 places, je crois, un truc du genre. Faire une session de farm de 23 items, franchement, c'est même pas 10 minutes pour moi, je crois. En tout cas, soyez les bienvenus les amis, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, ou même encore à follow, ça fait toujours plaisir. Sachez que je reviens bientôt sur Trove, et oui, déjà. Dès le 14 novembre, je reviens en force. Comment ça? C'est bloqué sur 1080p? Comment ça se fait ça? Ah ouais, c'est bloqué sur 1080p. Encore un souci de stream, encore une fois. Sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas. Ça faisait jamais ça et maintenant ça le fait quoi. Bon bah, je vais pas couper le stream comme ça en plein milieu. Ça serait dommage. Ok, bon bah je vais faire le nécessaire les amis, je reviens vite fait, je reviens. Ne t'en va pas Aurélien, je vais faire le nécessaire. À tout de suite les amis, je vais voir ce qui se passe, j'arrive.